Cette capsule de l'équipe du mois de la Chambre de commerce de Gatineau est une présentation du service aux entreprises de la formation continue du Cégep de l'Outaouais. Parce que la formation, c'est payant. C'est en 1992 que M. Marcelin Bourdon a ouvert sa première salle de billard, le Resto Billard Terminus. Voulant faire de l'expansion dans le secteur Elmer, il ouvre en 2005 une franchise aux Galeries Elmer. En mai dernier, les billards Terminus Hall et Elmer ont été acquis par sa fille Marie-Josée Bourdon, ainsi que deux autres actionnaires, Daniel Sanson et Patrick de Repentigny. Les Resto Billard Terminus vous proposent également bar, simulateur de golf, table de poker et même une piste de danse. Cette année, plusieurs investissements ont été faits afin de satisfaire leur clientèle sans cesse grandissante. Le billard est le centre des activités. Plusieurs ligues et tournois sont organisés tout au long de l'année. Leur dernière mission a été de positionner leur entreprise sur les réseaux sociaux et de mettre leur site web en valeur. Êtes-vous membre du Fan Club Terminus? Cette capsule de l'équipe du mois de la Chambre de commerce de Gatineau était une présentation du service aux entreprises de la formation continue du Cégep de l'Outaouais. Votre service aux entreprises.